En couture. On ne peut pas faire un temps, 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 on ne peut pas faire un ហើយក្នុងនោះរួមមានសាក់សៃ២ទិសទី Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Chunti, vous avez évoqué votre première rencontre avec Pol Pot en juin 78. Je voudrais faire un léger retour en arrière et savoir si vous avez eu l'occasion, avant de le voir, d'écouter ses discours à la radio. Sans avoir entendu ses discours, est-ce que avant d'arriver à Sveiriang, dans le cadre de vos activités de soldat en charge de missions civiles, d'agriculture et de construction de routes, est-ce que vous avez reçu des informations en fin 77 sur une incursion vietnamienne sur le territoire cambodgien. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Vous parlez de d'incursion en 78. Vous n'avez aucun souvenir d'une incursion en fin 77? Est-ce que vous avez été au courant d'une
rupture des relations diplomatiques avec le Vietnam et d'une éventuelle déclaration de guerre par le Kampuchea démocratique. មិនស្ទេខ្ញុំសូមឆ្លើយនេះគឺខ្ញុំរឿងការងារខាងផ្នែកទូតការតាក់ទងអីនោះផ្នែកទូតខ្ញុំក្តាប់អត់បានដែរមិនដែលលើកនិយាយទេតែគ្រាន់តែរឿងប្រកាសថាវាយយួនរបស់អែននោះគឺអត់មានប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែទឹកដៅថាដូចខ្ញុំកងទ័ពខ្ញុំការពារទឹកដីបើសិនមានសត្រូវដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាបើមានសត្រូវចូលមកទឹកដីយើងលៀនពៀនយើងគឺយើងវាយការពារហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Vous avez évoqué le fait que vous étiez en charge d'une distance de 2 km sur la frontière. Je voudrais vous lire un extrait d'un discours de Pol Pot qui est un peu antérieur à votre arrivée sur place, mais qui évoque la manière dont les troupes du Kampuchea démocratique ont pu se battre et quel était l'armement à leur disposition. Il faudrait savoir, je vous poserai des questions ensuite pour savoir si, quand vous étiez vous-même à Svay Rieng, si la situation était similaire. URN en Khmer 006-47-14 et URN en anglais 005-1-9-835. Et pendant que les partis recherchent le passage, une première question, vous avez indiqué lors de votre témoignage dans le procès 02-1 que vous aviez eu en main les exemplaires de l'étendard révolutionnaire. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir lu les discours de Pol Pot dans un étendard révolutionnaire? มันมีเจตนาคือมีมือตวงตรงแม่นแต่ตวงตรงมืออดมีนิยายปีในการฉลีนปีนปีประเทศชิดข้างนี่คือนิยายอําปีการตํารงทัศนะโกจมโฮมนูឲ្យพร้อมปรังแปลงการเปียตึกใดเทิมนูละอนั้นคือมีอย่างอดมีนิยายปีเรื่องไว้ประเทศชิดข้างอดมีนิยายเด้ให้ខ្ញុំបានឃើញបានដឹង Je vais donc lire l'extrait que le dernier paragraphe, page. Voilà comment Pol Pot décrit les combats et la manière dont le Kampuchea démocratique s'est organisé fin 1977. Nous avons mené des attaques de petite envergure en divisant les forces en groupes. Les groupes furent divisés en équipes. Nous étions entrés dans l'enceinte des ennemis tout en nous attaquant à eux. Certes, il s'agissait seulement de groupes, mais c'était des groupes d'unités de pointe. Quant à l'armement, nous avions à notre disposition des B-40, des M-79, des AK, des mines anti-char, des bombes piégées, des grenades. Donc,
on était assez bien pourvus. Notre groupe qui a pénétré dans l'enceinte des ennemis pour s'attaquer à eux était puissant. Nos hommes étaient en mesure de s'affronter au char. Ils pouvaient s'affronter au char en utilisant les mines, des B-40 et de s'en prendre à leurs fantassins avec des AK et des mines. Fin de citation. Ma première question est de savoir si, dans le cadre de vos plans d'attaque sur le terrain, vous avez formé des petits groupes pour mener des attaques, ou est-ce que vous avez reçu de telles instructions? Et je pose cette question notamment parce que, et c'est un passage sur lequel je reviendrai plus tard, parce qu'il y a été souvent question de la disparité en nombre des soldats du Kampuchea démocratique par rapport à ceux du Vietnam. Est-ce que vous avez adapté vos plans d'attaque et votre technique militaire à cette disparité en nombre? គិតអំពីចំនួនទាហានរបស់លោកដែលតិចជាងទាហានវៀតណាមដែរឬទេនេះការអានេះការប៉ាន់ប្រមាណមើលយើងខំឃើញថាប្រជាជនយួនហើយប្រជាជនខ្មែរគឺមានចំនួនខុសគ្នាដែរដូច្នេះបាននេះថាគាត់ដឹងដែរហើយថាយួននេះច្បាស់ជាមានកម្លាំងប្រឡប់អាវុធច្រើនជាងខ្មែរដូច្នេះយើងធ្វើសង្គ្រាមយើងធ្វើតាមយើងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសង្គ្រាមជាជនគឺសង្គ្រាម ឆ្លប់នឹងការពារដាក់មីនអីប្រកែកហ្នឹងយ៉ាងណែហ្នឹងដូចនេះមិនទៅយកមនុស្សទៅប្រើយកមនុស្សទៅប្រើហ្នឹងមិនទល់នឹងមនុស្សទេហើយផែនការរៀបចំអីយ៉ាងម៉េចម៉េចអីបើខាងលើមកគឺតែចូលសមរភូមិចាស់គឺមិនដែលបានទទួលផែនការអីពីខាងលើគ្មានបទជួអីតេតតងឬបទជួស្ដាប់អីអ្មេចមិនក៏មិនមានដែរដូចនេះគឺ Quand vous dites nous n'avons pas attendu les plans de l'échelon supérieur, est-ce que vous voulez dire que pendant toute la durée de votre présence à Sphérien, l'essentiel de votre stratégie était déterminé par vous-même? យុទ្ធវិធីសំខាន់របស់លោកហ្នឹងគឺលោកកំណត់បង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចវិធីប្រយុទ្ធឬមីគាប្រយុទ្ធនេះឬយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធនេះគឺបានរៀនសូត្រជាបន្តបន្តមកហើយដូច្នេះពេលតែគឺបានចេះបានចាំបានដឹងអស់ហើយដូច្នេះ Et quand vous dites que vous l'avez apprise, vous parlez de vos combats antérieurs avant le 17 avril 1975 ou vous parlez d'autre chose? Précisément au sujet de cette tactique, je voudrais citer un autre passage de ce même discours, document E3/4604, ERN en français 00502-5-0-3-4-8, ERN en khmer 00-6-4-7-1-6-7, et ERN en anglais 00-5-1-9-8-3-6.
C'est toujours a priori Pol Pot qui parle, et voilà ce qu'il dit. Les gens veulent faire croire que nous ne pourrions jamais les vaincre parce que le Vietnam compte 50 millions d'habitants, alors que nous, nous ne sommes que 8 millions. Ne croyez pas les autres quand ils disent que nous ne pourrions jamais vaincre le Vietnam parce que l'armée Yun est composée de plus d'un million de soldats et que notre armée à nous, elle ne comprend que près de 100 000 soldats. Nous raisonnons à ces termes-là, parce que nous n'avons pas compris pour quelles raisons justes nous avons gagné la guerre dans l'histoire. Et nous n'avons pas compris pour quelle est la ligne au juste qui nous a fait gagner la guerre. À propos de notre ligne, de quelle façon avions-nous combattu pour remporter la victoire? Comment avions-nous résolu les problèmes? L'armée Yun compte près d'un million de soldats, alors que nous ne disposons que de 100 000 soldats. Par conséquent, nos effectifs sont 10 fois moins nombreux qu'eux. Sérieusement, nos forces armées sont 10 fois moins nombreuses que les leurs. De quelle façon faut-il résoudre ce problème pour pouvoir gagner la guerre? Notre méthode de résolution de ce problème consiste à se servir des petites forces pour vaincre les grandes forces. Pour que le petit l'emporte sur le grand, il est impératif que ce petit sache utiliser la modestie de sa force pour frapper justement et vaincre la grande force. Comme ce que je vous exposais tout à l'heure, il s'agit du principe du 1 contre 30. Si le 1 contre 30 était appliqué, on pourrait faire la guerre pendant 700 ans, on serait toujours victorieux. Et si on ne faisait pas la guerre de cette façon, on ne remporterait pas la victoire. Si on était impressionné par le fait que le Vietnam compte 50 millions d'habitants, alors que nous ne sommes que 8 millions, on aurait déjà perdu. Nous ne pourrions jamais gagner. On aurait déjà capitulé devant tout. Fin de citation. Je fais un parallèle entre ce que vous venez d'indiquer et ce passage du discours de Pol Pot. Et ma question est de savoir si, lorsque vous l'avez vu avant de venir sur Saigon, Pol Pot a abordé cette question de disparité des troupes et s'il vous a donné des instructions sur la manière de gérer toutes les troupes une fois arrivées sur place, s'il vous a demandé de vous inspirer des combats que vous aviez menés avant 75. ខាងខ្ញុំកំតាន់ដែលបានឮគាត់និយាយប្រាប់ដែរតែក៏បើពន្យល់ទៅជាក់ស្ដែងអ្នកធ្វើបើគេមកច្រើនពេកហ្នឹងមុខតែចាញ់គេមុខទៅរត់ដែរមិនមែនពលពតអ្នកធ្វើនឹងគ្រាមឯណាអនុសំខាន់គឺអ្នកដែលទៅធ្វើជាក់ស្ដែងក៏ប្រៀបធៀបកម្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមយ៉ាងនិយាយវិញតិចថាកម្លាំងបច្ចិដែលទាហានយួនហើយទាហានខ្មែរវាមានកម្លាំងខុសគ្នាដូច្នេះគេមើលឃើញមួយទល់នឹង 30 Je voudrais également voir avec vous si un certain nombre de localités vous rafraîchissent la mémoire dans le cadre des différents affrontements qu'il y a pu avoir pendant la période où vous étiez à Saigon. Mais avant cela, je voudrais savoir si il y avait une communication des informations entre les différentes brigades et les différents régiments. Et si oui, comment cela se passait-il? ហើយបើសិនជាមានមែនហ្នឹងតើគេផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវិញទៅមកហ្នឹងដោយតាមមធ្យោបាយណាដែរ
អង្គភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជំនឿជ្រៀកនេះគឺអត់មានដល់ព័ត៌មានអីគ្នាទេដូច្នេះគឺដូច្នេះពេលនោះគឺធ្វើមិនមានអីតាក់ទងផងដូច្នេះមានតែលឺសូរកព្រឹងគ្នានៅចាប់ដៃនេះជាប់លឺសូរកព្រឹងមើលឃើញគ្នាសងខាងនឹងព្រំប្រទល់ដូច្នេះគ្មានអីទេយូយូខាងតារៃនេះគេមកប្រាប់សភាពការអញ្ចឹងចុះម្ដងខាងទៅហើយឲ្យមកពង្រឹងកម្លាំងធ្វើម៉េចទប់ទល់របស់ក្នុងការគេមានប្រាប់អញ្ចឹងអត់មានអីនឹងវែងឆ្ងាយទៀតទេ Est-ce que vous receviez des informations sur la position des troupes ennemies? Ta lo mien tu tu por mien pek pon te nang kong kamlang robos khmang dai rư te? At dai tu. Je vous dis ça parce que dans votre déclaration E3/4593, à la réponse 19, vous évoquez des télégrammes que vous avez eu à consulter et vous dites ceci. J'ai déjà reçu des télégrammes qui concernaient des plans et des activités de forces armées, mais seulement à l'échelon de la division ou de la brigade. Et tous ces éléments ont été décodés à partir de télégrammes originaux qui ont été rédigés avec des codes secrets. Ils n'ont pas été communiqués à un quelconque dirigeant en dehors de moi-même. Les télégrammes ne parlaient que des activités des ennemis. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous aviez des télégrammes គឺថាកាលនោះនឹងលោកទទួលទូលេខដែលគេក្នុងទូលេខហ្នឹងគេរៀបរាប់ប្រាប់ពីផែនការខ្មាំងដែរខ្ញុំចាំពេលនឹងដែលគេទទួលផែនការហ្នឹងគឺនៃមីនោះខ្ញុំគឺដែលខ្ញុំថាខ្ញុំតែទៅសឿងទៅកងពលគឺទទួលមកគឺបកពីលើមកគាត់មកទទួលមកផ្ទាល់ឲ្យខ្ញុំមកសបផ្សាយក្នុងអង្គភាពហ្នឹងតែសឿងនៃជាកងពល Et nous sommes d'accord, c'est lorsque ça se passe lorsque vous étiez à Svairien. តែតាប៉ុលពលនទៀតនោះគឺរៀបចំកម្លាំងចុះមកប៉ុណ្ណឹងម្ដងតែមកដល់ស្វាយរៀងហើយអត់មានតេតងឲ្យបានជាមួយប៉ុលពលទៀតទេអត់មានគឺអត់ទេអត់មានគឺចំ Donc, vous aviez quand même eu des informations un peu plus détaillées sur la situation sur place avant votre entretien avec Pol Pot. Je voudrais voir si un certain nombre de documents que nous avons au dossier vous rafraîchissent la mémoire sur des informations que vous avez pu avoir par l'intermédiaire de ces télégrammes. Je vais précisément m'intéresser à la période juste avant votre arrivée à Svairien, c'est-à-dire avril, mai 1978. Et le premier document qui m'intéresse est le document E3/946, ERN en français 00-332-727, en anglais 00-1-8-5-2-0-5 et en Khmer 00-0-2-1-0-1-5. Tout d'abord, je voudrais savoir si vous vous souvenez dans le cadre des informations que vous avez reçues, si vous souvenez ta ta lok nou cham
combats qui ont été évoqués, d'attaques à Prytonnet. ខ្ញុំអត់ស្ដាប់បានព្រៃទន្លេអត់ស្គាល់ឈ្មោះព្រៃទន្លេអត់ដែរមានបាទសូមបញ្ជាក់គឺព្រះទន្លេ Alors, ma question était différente. Je ne vous demande pas si vous avez combattu après à Tonlé, mais si, avant d'arriver du côté de Feyrien, on vous a parlé de cette localité, et peut-être pour être plus complète, je vais lire cet extrait d'un télégramme qui évoque la localité, et qui est un télégramme adressé le 26 avril 1978, aux différents oncles Noun, Van, Bureau et Archives. Et c'est au paragraphe 2. En paragraphe 1, il est dit « La situation est comme je vous ai rapporté ce matin. Ajoutant aux ennemis, après à Tonlé, précisément, ils nous ont donné un assaut éclair au pont de Tlok en direction de la maison en lettres SA et ont frôlé Priplom Dern en passant par Kok, mais arrivés au nord de Kok, ils ont été coincés par les canaux. Je poursuis avec le point 3. Ils s'efforcent de donner l'assaut par devant pour aider les leurs, mais nous les attaquons, les tuons en grand nombre. Ils ne peuvent pas atteindre non plus. 18 chars ont donné l'assaut au secteur du camarade Mon, vers le nord, en direction de Taei. Les éléments restants veulent passer par Koki, Saum, pour sauver ceux qui se trouvent au nord de Kok. Paragraphe 5. Certains habitants ont été blessés et sacrifiés, également après à Tonlé, quand ils ont donné l'assaut éclair. Nous avons eu les mesures pour les sauver déjà. Fin de citation. Donc, ma question est de savoir, là c'est un rapport sur une attaque particulière qui a eu lieu donc, un pré-Tonlé. Est-ce que vous avez le souvenir que l'on vous ait parlé de cette attaque d'avril 1978 lorsque vous avez eu des informations sur la zone Est où vous alliez être placé, posté? ខ្ញុំអត់ដែលឮតំណឹងស្រាប់ឬក៏ហើយក៏មិនស្គាល់ទីផងនៅខាងអីដែលបឹងទន្លេអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអ្នកឬអត់មានស្គាល់ក៏អត់បានដឹងឮទៀតហើយក៏គ្មានមតិណែនាំអីបានទទួលដែរអត់ Je voudrais voir avec vous un autre document pour savoir si d'autres noms vous rafraîchissent la mémoire, que ce soit par des informations qui vous ont été données avant votre arrivée en juin 78, ou alors pour savoir si ce sont des localités sur lesquelles vous avez combattu ou sur lesquelles vous avez eu des informations dans le cadre de votre position à Sveiring. Là, je fais référence au document E3-1682
qui est un rapport sur la situation de tous les secteurs de toute la région jumelée pour la première semaine du mois de mai 78. Et le RN en français est le 00884597, ERN en khmer 0002019 et ERN en anglais 00185 2 07. Et le grand 1 se dit situation de la défense nationale, les ennemis de l'extérieur. À la région 24, nous avons fait place nette des ennemis vietnamiens à valeur de territoire en les chassant des zones limitrophes de la frontière. Nous exerçons sans relâche la pression sur eux. Ils se sont retirés et éloignés de la zone frontalière. À la région 23, les ennemis vietnamiens qui avaient envahi notre territoire depuis le 26 avril ont été encerclés par nos forces armées. Ils se rétrécissent dans trois zones, à l'est de la pagode de Bong Pling, commune de Bos Morn, district de Samrang, au village de Kok, commune de Rampir, district de Prasot, au village de Tani, commune de Kreng, district de Kampong Ro. Les activités des ennemis, leurs chars vont et viennent près de la frontière, près du village de ville, district de Samrang. Ils ont tiré des balles à l'artillerie lourde sur la commune de Popel, commune de Chek, sur la commune de Sankai, dans le district de Kampong Ro. Ils ont tiré des rafales et largué des obus sur les habitants en train de moissonner le riz. Fin de citation. Donc, est-ce que la lecture de ce rapport sur la situation en mai 78 vous rafraîchit la mémoire sur des choses que vous aurez dites avant votre arrivée en juin 78? Et est-ce que les différentes localités que j'ai citées, en espérant que peut-être que mon confrère Kong Samon va redire le nom des localités avec en khmer, pour être sûr que je ne sois pas déformé, mais est-ce que ça correspond à des localités que vous avez connues dans le cadre de vos activités militaires ou des informations que vous avez reçues à ce sujet? សូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីទីតាំងទី1គឺនៅម្ដុំខាងកើតវត្តបោះផ្លាំងឃុំបោះម៉ូនស្រុកសំរោងទី2នៅម្ដុំកក់ឃុំស្វាយរំពីស្រុកប្រសូតទី3នៅភូមិតានីឃុំបន្ទាយក្រាំងស្រុកកំពង់រោបាទអញ្ចឹងក្នុងការអំណានរបស់អ្នកបកប្រែមិញគឺមានកំហុសឆ្គងនៅផ្នែកទី1គឺវត្តបោះផ្លាំងឃុំបោះម៉ូនស្រុកសំរោងបាទសូមអរគុណ ខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះសមរភូមិដែលពីទីតាំងដែលបញ្ជាក់មិញនេះគឺតាំងពីមុនតាំងពីខែសីហានេះខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់នឹងផងខ្ញុំមិនទាន់បានចេញពីខាងខ្ញុំទៅផងដូចនេះខ្ញុំទៅដល់ស្វាយទៀងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់លើកមុនអញ្ចឹងតើខ្ញុំទៅដល់នោះគឺឃើញខ្មាំងយួនគេវាយដកថយអស់ហើយខ្ញុំទៅឃើញតែកន្លែងតិចទីទេនេះទៅអត់ទាន់ហើយក៏ក្តាប់សមរភូមិនោះអត់បានដែរព្រោះខ្ញុំទៅក្រោយសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ
ខ្ញុំគឺពេលនោះគេបានបៃជ្រុញរុញដល់ខោដល់ហើយខ្ញុំនិយាយថាមានកម្លាំងផ្សេងគេមុនគេនៅនឹងដែរគាត់ខ្ញុំទៅបន្ថែមដូចនេះវាដោយលោកយាយនឹងអត់ខុសទៅត្រូវហើយ D'accord. Et cette information sur laquelle ils avaient déjà repoussé vers l'est, c'est une information que vous avez eue avant d'arriver à Sphérien ou c'est une information que vous avez obtenue lorsque vous êtes arrivé? តើបោពីអស់ហើយនឹងតើព័ត៌មានហ្នឹងឯងលោកទទួលបាននៅមុនពេលលោកទៅឈរជើងនឹងស្វាយរៀងឬក៏ទៅដល់នោះហើយបានទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគេខ្ញុំទទួលបានផែនការត្រង់ថាទីមួយយួនចូលមកវាយដល់ស្វាយរៀងតែគេវាយបកទៅវិញអស់ហើយដូចនេះបានយកខ្ញុំពីគ្រួយមកដាក់មកថែមកម្លាំងនៅកន្លែងនឹងទៀតអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹង Et ma une précision sur ce point. Là, on vient de parler d'événements de mai 78 et du fait que le discours vietnamien avait été repoussé. Est-ce que, dans le cadre des informations que vous avez reçues, on vous a indiqué qu'il y avait eu d'autres incursions vietnamiennes avant 78 et courant 77? Est-ce que c'est une information que vous avez reçue ou pas? តើលោកមានបានទទួលព័ត៌មានបែបហ្នឹងទេខ្ញុំអត់មានដែលបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងទេដែលបានទទួល tout à l'heure je vous ai lu la question votre réponse plutôt ចំឡាយរបស់លោកក្នុងប្រទេសក្លារ៉ាសុង E3 ដែលមានទៅសេអូត្រកមាន្ដង់ឌឺប្រីហ្កាដមានលើកឡើងពីឈ្មោះកងពលរបស់ខ្ញុំនោះដែលលោកបាននិយាយថាលោកបានស្ដាប់ឮគេហៅឈ្មោះពួកគាត់ស្គូវូសអេធីអាស្វៃរៀងអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាទៅពេលដែលលោកទៅស្វៃរៀងនោះតើលោកមាន La brigade 221 d'abord, est-ce que vous aviez moyen de suivre l'endroit où ils étaient positionnés et où ils en étaient de leur combat sur la partie de la zone frontalière qu'ils protégeaient? ទួនាទីគេខាងការពារកន្លែងមុខសញ្ញារបស់គេហ្នឹងតើស្ថានភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពការនៅមុខសញ្ញាមួយមួយមុខសញ្ញាឬក៏អង្គភាពមុខសញ្ញាមួយមួយដូចនេះខ្ញុំក្តាប់មុខសញ្ញាខ្ញុំបានប៉ុន្តែដែលក្តាប់មុខសញ្ញាអង្គភាពរបស់គេគឺក្តាប់អត់បានទេ ហើយឈ្មោះអង្គភាពផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមនេះយូរណាស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថែមថានេះជាអង្គភាពផ្សេងមកពីភាពផ្សេងហើយដឹកនាំផ្សេងគាត់ទៅលឺតែឈ្មោះហើយក៏មិនដែលឃើញអ្នកដឹកនាំនោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ទៅលឺឈ្មោះគេថាអង្គភាពនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់តែដឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយដឹងឈ្មោះតែអត់ដែលឃើញមុខទេហើយលឺតែគេថាជួបក៏មិនស្គាល
ពោបើកាលណាបើខ្មាំងខ្លាំងវាយខ្លាំងយើងមានអីមានកម្លាំងយើងទប់ខ្លាំងទប់តិចតួចកម្លាំងម៉ាំងវាយខ្លាំងយើងថយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺប្រើរូបភាពហ្នឹង Vous, vous avez indiqué qu'avant d'arriver à Sphaérien, vous étiez cantonné à des missions civiles, donc d'agriculture et de construction. Et dans le cadre de votre interrogatoire à l'audience du 24 avril 2013, donc dans le procès 02-1, document E1-183.1, Vous avez répondu. Et là, c'était au sujet de votre mission et du fait que vous aviez récupéré. Sorry, the name of the document wasn't audible for the interpreter, so if you would please repeat it. C'est le procès-verbal d'audience du 24 avril 2013, transcrit E1-183. Toutes les armes ont été entreposées et nous avons cultivé la terre. Et quand le Vietnam a déclaré la guerre et nous a envahis, les soldats ont été mobilisés. Cela a pris beaucoup de temps pour mobiliser les soldats et c'était trop tard. Car lorsque nous étions prêts, les Vietnamiens étaient déjà en territoire cambodgien. Fin de citation. Je voudrais savoir si, pendant les trois ans au cours desquels vous aviez été démobilisé, est-ce que vous avez reçu des informations sur le fait que le Kampuchea avait l'intention d'attaquer le Vietnam et que vous seriez mobilisé pour ce faire. ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំពោះបញ្ហាមិញនេះគឺលោកបញ្ជាក់មិញគឺថាពេលនោះគឺពេលចប់សង្គ្រាមគឺនាំគ្នាមួយផ្នែកកងទ័ពមួយផ្នែកដាក់កាភ្លើងធ្វើនៃកសិកាធ្វើកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហើយមួយផ្នែកទៀតក៏មិនដាក់កាភ្លើងដែរនៅការពារព្រៃការពារព្រំដែននេះខ្លះមិនដាក់ទាំងអស់ទេតែដូចនេះដល់ពេលដូចនឹងដល់ពេលយួនបុកដោយអង្គភាពខ្ញុំអញ្ចឹងគឺនៅការពារនៅតាមនេះនឹងអញ្ចឹងដូចនេះពេលដែលមានសភាពការអញ្ច
Vous-même personnellement, quand avez-vous pris la fuite? Lorsque les Vietnamiens sont entrés dans le territoire, est-ce que vous souvenez de la date exacte? រត់នឹងខ្ញុំចូលមកជារត់នឹងក្នុងខ្ញុំចូលមកជារត់នឹងក្នុងគិតចង់គិតថាបំបីនឹងគឺពេលនឹងយួរអ្នកបុកខ្លាំងមកគឺទប់មានបានណាគឺចូលពេញទឹកពេញដីហើយនរនេះដកចេញរត់ប៉ាកាយនេះនឹងតែឯងថ្ងៃហ្នឹងគឺចាំអត់ច្បាស់លាស់ដឹងតែចុងចិត្ត 78 dans votre déclaration E3/4593 à la réponse 20, la dernière question qui vous est posée par le juge d'instruction et la question suivante: quelles sont les suggestions que vous voudriez faire par rapport au procès des dirigeants au placé des Khmer Rouge? Et votre réponse a été la suivante: je n'ai aucune suggestion à faire parce que cela ne m'intéresse pas. Cette histoire est pleine de liens inextricables. Et si je devais en parler, je devrais raconter depuis le début jusqu'à la fin. Et cela ne concernerait pas que l'époque du régime où les Khmer Rouge étaient au pouvoir. Qu'est-ce que vous entendiez par cette histoire et plein de liens inextricables? Est-ce que vous pouvez préciser? ពាន់ច្រើនលោកចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងនេះដែលខ្ញុំមិននិយាយឲ្យលោកទៅនិយាយថាឲ្យខ្ញុំនិយាយតែក្នុងចន្លោះ 75 មក 75 Je voudrais maintenant passer à un dernier point votre déposition, et c'est la question des mariages que vous avez évoqué devant le juge d'instruction. Avant de vous poser des questions plus générales, je voudrais que vous précisiez à la Chambre à quel moment vous vous êtes mariée et où. Je suis mariée dans J'ai entendu dans la traduction que vous êtes marié en 79, est-ce que vous pouvez préciser si c'est après la période de démocratique? ក្រោយរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យក្រោយរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះតាមបាញ់មិញនេះការបកប្រែហ្នឹងតាក់ទងនឹងទីតាំងហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់អត់តាន់ទេអ្នកបកប្រែបាញ់មិញហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមអ្នកដែលទៅសួរខ្ញុំនឹងខ្ញុំថាខ្ញុំការឆ្នាំ
D'accord, donc en 1967, vous êtes mariée, est-ce que vous pouvez indiquer où? À quel endroit vous êtes mariée? Longvec, c'était bien l'endroit où vous étiez stationné avant d'arriver à Serre. Longvec, c'est bien l'endroit où vous étiez stationné avant d'arriver à Serre. C'est bien l'endroit où vous étiez Est-ce que vous pouvez indiquer comment s'est organisé votre mariage? Qui a choisi votre épouse, comment s'est organisé la cérémonie et si vous avez dû demander une autorisation pour vous marier? การเรียบการนั้นเป็นก็คือខ្ញុំនឹងគ្រួសារខ្ញុំនៅជាប់ឡើងហើយគឺមានការដែលឆ្លាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានណាចាប់បង្ខំទេការគឺមេកងកណ្ដឹងគឺមេកងពលខ្ញុំទៅសឿងក៏នៅនឹងក៏គេក៏រៀបចំឲ្យទៅយើងស្មាក់យើងស្ឡាញ់យើងស្នើយ៉ាងប្រាំងលើថាខ្ញុំចង់បានគ្រួសារឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអញ្ចឹងទៅគឺឲ្យគេលើរៀបចំឲ្យគេរៀបចំឲ្យគេគូអញ្ចឹងទៅហើយរៀបចំឲ្យគេមានពិធីជប់លៀងអីខ្លះយ៉ាងដែរបា
Vous avez indiqué que vous aviez fait une demande à votre chef. Qu'en est-il de votre épouse? Est-ce qu'elle-même elle avait fait une demande pour se marier du côté de son propre chef d'unité? Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. C'est peut-être le moment opportun de marquer la pause. Bon, merci. Je vous remercie. Bon, merci. 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 ឯកសំណាកការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងបន្តធ្វើសំណាកការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខី ពីប្រឹក្សាសាក់សីអង្គជំរះកូនជើញលោកស្រីមកបន្តប្រឹក្សាសាក់សីនេះនៅថ្ងៃស្អែកជាដែរមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរបស់យើងមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គភាពគោភាសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីវិលទៅកាន់កន្លែងទៅគាត់ថ្នាក់នៅវិញហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មករដ្ឋសាក់សីកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ដើមពេលវេលាមក 9 ក៏បានរយៈពេលគុំខាងនាំខ្លួនជនប្រកបទៅពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាងនៃអបតកវិញចុះនៅមកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ